Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu. À l'occasion de la Journée internationale du droit de la femme 2018, l'Association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme, APDEF, offrait de nombreux présents à une centaine de femmes au SAMU social. C'était mardi 6 mars 2018 à Bruxelles. Parmi les nombreuses bénéficiaires, certaines se sont exprimées pour dire leur joie et leur remerciement à l'égard de l'association. Cathy Billac, responsable de communication de l'association, nous donne de plus amples explications sur l'action menée par APDEF, une action qui s'inscrit dans le plan annuel d'activité de l'association. À l'occasion de la Journée internationale du droit de la femme et comme chaque année depuis sa création, l'Association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme, APDEF, organise une action symbolique pour marquer sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de la femme. Cette année, cette action qui avait lieu le 6 mars était dévolue au SAMU social, principalement aux femmes bénéficiaires des services de ce centre, situé au boulevard Poincaré à Bruxelles. Rappelons que le SAMU social accueille des femmes et des enfants en situation de précarité. Une soixantaine de femmes ont donc reçu de nombreux présents, principalement des produits et matériels d'hygiène. Un moment de joie et de bonheur pour toutes ces femmes qui ont apprécié le geste et remercié l'association APDEF pour cette attention à leur égard. Certaines se sont exprimées, mais ont souhaité garder l'anonymat. Et donc je suis au SAMU social depuis 20 mois. Et je remercie toute votre association d'être venue à 2 jours de la journée de la femme. Un petit présent, ça nous fait plaisir. Et puis de la visite aussi, parce que bon, voilà, quand il y a des personnes de l'extérieur, ça nous fait chaud au cœur. Bien, merci pour l'initiative et voilà, de nous gâter un moment. Et surtout pour l'hygiène aussi, parce que bon... C'est pas toujours facile et donc voilà. Très bien. Bien, merci. Vous souhaite encore une bonne fête de femmes. Merci bien. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Et pour vous, la fête de l'homme, c'est le 19 novembre. Donc, pour nous, on a vendu Mikolo et Bélé, on a vendu 6 ans, on a sali 6 ans. Je suis ici depuis longtemps. J'habite ici depuis 6 ans. Et je suis très heureuse de votre arrivée, de votre aide et de votre secours. Nous vous remercions de penser à nous pour tous ces produits que vous nous avez offerts. Mais nous souffrons beaucoup. On doit souvent se réveiller à 5 heures du matin et avec rapidité prendre sa douche dans une précipitation, un peu comme des voleurs qui se sont introduits dans une maison et qui doivent partir. Nous vous remercions beaucoup. Avoir de l'empathie et apporter de la joie dans le cœur des femmes et surtout soutenir l'action humaine du SAMU social, telles étaient les motivations de l'association APDEF qui inscrit son action dans un plan d'activité annuel. Nous avons juste voulu exprimer notre solidarité, notre empathie, notre volonté, notre désir de donner un peu de sourire, un peu d'espoir et surtout rappeler à ces dames qui sont ici au SAMU social qu'elles ne sont pas seules. Vous savez, l'APDEF, c'est bien l'Association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme. Et c'est le côté épanouissement vraiment que nous avons voulu mettre en exergue cet après-midi. Et nous avons vu les femmes, elles sont très 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 contentes parce que nous avons quand même procédé à une petite investigation avant de venir ici aujourd'hui. Donc ça fait que les articles que nous avons apportés vont en droite ligne de ce que les dames attendaient. Parce qu'on a demandé, on a fait un état de leurs besoins et donc nous sommes venus avec des choses dont elles ont besoin, des produits,
de tous les jours. Et ça, c'est notre manière à nous de leur dire que voilà, nous œuvrons pour les droits de toutes les femmes, sans exception, parce que ici au SAMU social, on a de toutes les nationalités. Et donc, c'est une action, ça s'est très très bien passé. Et nous sommes contentes de voir le sourire sur les visages de toutes ces dames. Je pense que ce n'est pas la première année, c'est la deuxième année consécutive qu'on voit APDF organiser des sujets de rencontres importants dans les cadres de la Journée internationale de la femme. Donc, décidément, ça s'inscrit dans la droite ligne des activités de l'association. Oui, ça devient une activité qui rentre dans notre plan annuel. Donc, chaque année, nous devons aller quelque part pour apporter des dons aux femmes. Et nous aimons souvent cibler la Journée internationale de la femme parce que c'est symbolique et ça épouse également notre ADN. Et voilà, donc ça, c'est une activité qui rentre désormais dans notre plan d'action, notre plan annuel. La question de la femme, c'est une question de tous les jours. Tant que la femme vivra, il y aura toujours cette question de la situation, de la condition de la femme. Donc ce que nous faisons, ce n'est que la petite goutte d'eau qui peut tomber dans la mer, quoi, parce qu'on ne peut pas toute seule, on ne peut pas dire que nous allons travailler pour améliorer efficacement la condition de la femme. Non, c'est un travail de longue haleine et où beaucoup de forces vives doivent se retrouver. On apporte notre modeste contribution au SAMU social, mais ce n'est qu'une toute infime partie du grand travail. Parce que vous savez que, bien que tous les pays du monde entier aient ratifié les conventions relatives aux droits de la femme, il y a toujours des pesanteurs qui empêchent l'expansion, le développement de la femme. L'égalité des genres, c'est une autre affaire. Le renforcement des capacités, il y a plein de choses. Mais il y a des pesanteurs culturels et sociaux qui font que ce n'est pas toujours évident. Et donc, on apporte notre petite pierre à l'édifice et on espère qu'un jour, je m'abstiens de parler d'égalité, mais au moins qu'il y aura une certaine justice sociale qui s'établira un jour et que la femme pourra jouir de ses droits, quelles qu'elles soient et surtout d'où qu'elles viennent. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces femmes joyeuses à l'occasion de cette soirée? Ben, on est très contents parce que c'est vrai, en venant, on ne pensait pas procurer autant de plaisir et de joie. Donc, de les voir chanter, danser, elles ont reçu ce qu'elles voulaient, ce qu'elles attendaient. Donc, nous sommes très contentes et c'est pour nous un élément qui booste, qui nous booste dans ce que nous faisons tous les jours. Certainement, l'année prochaine, nous reviendrons avec un peu plus. Ça, c'est sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous remercions de rester fidèles à nos programmes en vous connectant sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.